et beaucoup d'amour. Callista, ma fée marraine, a réussi à réaliser le rêve auquel elle n'avait jamais renoncé au fond de son cœur. Je sais pas, Oscar, je comprends pas très bien. Qu'est-ce que je dois dire exactement ? Faut que tu parles avec ton cœur, Callista, comme tu l'as fait avec moi tant de fois. Dis à tes frères et sœurs ce que tu ressens. Dis-leur combien ils t'ont manqué toutes ces années et à quel point tu les aimes. Et ensuite on verra. Crois-y, crois-y, crois-y. Ok, tu es prête. Prêt, les amis ? Allons-y, allez. Bettina Marticinto. Désolée de vous appeler comme ça, mais même si je sais que si vous m'écoutez, vous êtes une femme et un homme d'âge mûr, dans mon cœur, vous serez toujours ces deux beaux enfants à qui j'ai promis que jamais, jamais, on nous séparerait. Je n'ai pas accompli cette promesse. Pas par manque de volonté, mais parce que j'étais encore mineure. Le gouvernement a refusé de me donner votre garde. Je vous ai cherché bien des années après. J'ai seulement trouvé les ruines d'un orphelinat qui avait brûlé. Et avec lui, mon seul espoir de vous retrouver. Je vous jure que beaucoup de choses se sont passées par la suite. Pendant des années, j'ai épuisé tous les recours pour vous retrouver. J'avais de l'argent et je l'ai perdu. J'avais l'amour et je l'ai perdu. Et à force de posséder les choses et de les perdre, j'ai appris que les êtres humains sont en fait des âmes voyageuses. Toujours capables de nous reconstruire à partir de nos cendres. Je suis venue ici avec l'aide d'un homme merveilleux qui m'a aidée à retrouver la foi en cette capacité qu'on a de ressurgir de nos cendres. Je suis venue ici avec l'espoir de récupérer les deux grands amours de ma vie que je croyais avoir perdus. Vous deux, ma famille, Bettina et Marticinto. Je veux seulement vous dire que je vous aime beaucoup et que je ne perds pas espoir d'être à nouveau avec vous. Callista, que penserais-tu si je te disais que tes frères ont entendu toutes tes paroles, qu'ils sont plus proches de toi que ce que tu crois? S'il vous plaît. Eh oui, l'être humain aura toujours cette incroyable capacité à renaître de ses cendres, à repartir à nouveau, à réaliser de nouveaux rêves.